Je vais te montrer dans cette vidéo comment télécharger Fortnite Battle Royale sur ton téléphone Android facilement. Tu peux me faire confiance, ça marche à tous les coups. Je vais te montrer comment avoir Fortnite sur ton téléphone. Allez, c'est parti. Enfin, tu vas pouvoir jouer à Fortnite Battle Royale sur ton téléphone Android facilement parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment télécharger et installer et jouer à Fortnite Battle Royale sur ton téléphone Android facilement et totalement gratuitement. Tu ne vas pas donner de l'argent totalement gratuitement. Je vais te montrer comment jouer à Fortnite sur ton téléphone. Allez, c'est parti! Ok, pour installer Fortnite, ce que tu dois faire, c'est aller sur Google Chrome. Et dans la barre de recherche, tu dois écrire Fortnite Android. Tu dois aller sur Google Chrome ou Safari ou n'importe quel navigateur ou Opera Mini et écrire Fortnite Android. Tu dois glisser, glisser jusqu'à ce que tu trouves ceci, Fortnite Mobile en Android, epicgames.com. Tu dois cliquer ici sur epicgames.com, Fortnite Mobile en Android. Et ici, tu vas trouver ici un truc comme ça. Ce que tu dois faire, c'est cliquer ici sur Get it on the Epic Games app. Tu dois installer premièrement l'application d'Epic Games pour pouvoir installer Fortnite dedans. Maintenant, cliquez sur OK. Ok, je viens de télécharger Epic Games qui va nous permettre et à son tour de télécharger Fortnite. Alors, ce que je vais faire, c'est installer l'application Epic Games. Cliquez ici sur Installer. Maintenant, je vais installer l'application Epic Games et à l'intérieur de l'application Epic Games, je pourrai obtenir Fortnite Battle Royale. Ok, maintenant, je l'ai installé. Cliquez ici sur Ouvrir. Alors maintenant, je suis sur l'application Epic Games et comme vous pouvez le voir, il y a trois jeux. Premièrement, il y a Rocket League. Deuxièmement, il y a Fortnite. Et dernièrement, il y a Battle Breakers. Mais bien sûr, toi-même, ce qui t'intéresse, c'est Fortnite. Donc, tu dois cliquer sur Fortnite. Alors, si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu vas trouver un bouton ici sur Télécharger. Tu dois cliquer sur le bouton Télécharger. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé. C'est pourquoi je n'ai pas le bouton Télécharger. Alors les gars, je ne voulais pas dire bientôt, mais pour pouvoir jouer à Fortnite Battle Royale, il y a des détails techniques, il y a des spécifications que tu dois avoir sur ton téléphone. Par exemple, tu dois avoir une version Android 8.0 ou plus récent, tu dois avoir 64 bits et tu dois avoir au moins 4 Go de RAM. Si tu as moins que ça, tu ne pourras pas le jouer. Si tu as moins de 4 Go de RAM, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être je ferai une vidéo sur comment avoir Fortnite non compatible. Mais pour cette vidéo, tu dois avoir 4 Go de RAM version 8.0 ou plus récent pour pouvoir jouer à Fortnite. Alors, après l'avoir dit, maintenant, vous devez cliquer sur télécharger si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Alors, moi, je l'ai téléchargé, donc je vais uniquement faire lancer. Vous devez cliquer ici sur OK. Et bien sûr, maintenant, je suis sur Fortnite. Il va me demander d'installer des nouveaux fichiers, tout ça. Ok, voilà, il y a bien sûr 5.12 Go de mise à jour et ce que vous devez faire, vous devez faire la mise à jour. Alors moi, je vais faire la mise à jour et je vais jouer. Cliquez ici sur OK et bien sûr, la mise à jour, il marche, vous devez patienter. All your hands on my waist. We can hide out in here till the night fades away. Take me in, take me down. I wanna feel your love right now. Take me in.
Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time.